Yo les gars, c'est Mec36Berry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était attendue, qui était normalement prévue dans la vidéo précédente. Le nettoyage de ce carburateur. Donc pour commencer, on va devoir enlever la cuve. Je le rappelle encore une seconde fois, je ne suis pas professionnel sur les carburateurs. Hop. Vu que c'est une cuve en plastique, elle a l'air propre, on la met de côté. Et là, on arrive à l'intérieur du carbu. Donc on va essayer de tout démonter. Alors pour ce fait, j'ai un récipient. On viendra mettre de l'essence dedans pour nettoyer. C'est sale, hein, vous pouvez le constater. C'est pas été nettoyé depuis bien longtemps. Je me demande ce que c'est, on dirait du calcaire. Mais bon, ça va être nettoyé. Là, il y a un petit filtre. On va essayer de le garder quand même. Là, voilà. On dirait du calcaire, mais bon. Ça doit être du dépôt. Il est dur comme je sais pas quoi, le filtre. Bon, lui, on va pas le mettre. On va le mettre de côté. Je me demande ce que c'est. Donc, comme la dernière fois, on va venir enlever le flotteur. Ça mange pas de pain à le mettre. Donc voilà, le pointeau qui est dedans, qui était bien sale la dernière fois, on le met avec le flotteur. On va venir démonter le gicleur aussi. J'avais déjà regardé, il n'est pas bouché, mais bon, ça mange pas de pain aussi à le mettre. Voilà, une fois que tout est bien démonté, on va pouvoir mettre ça en entier. Après, on vient mettre du carburant. Voilà. Et on va venir frotter tout doucement avec une brosse. Après, pour ceux qui ont le temps devant eux, qui peuvent laisser juste tremper. Et au bout de 2-3 jours, normalement, il revient comme neuf. Le flotteur, il faut pas le laisser trop longtemps, c'est histoire de dire que ça enlève le plus gros. Après, on peut venir avec un petit chiffon ou un essuie-tout, on va essuyer les pièces au fur et à mesure. Alors, une fois que c'est l'air sec, on peut venir avec la soufflette et souffler dedans pour déboucher. Bon, moi, comme vous pouvez le constater, il est bien bouché là, au niveau de l'arrivée d'essence. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y aurait de la pierre qui est venue dedans, mais bon. On va essayer de ramener ça. Ce tuto est maintenant terminé. Alors, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Moi, je vais juste laisser tremper un peu plus le carburateur. Après, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez frotter avec une brosse. Mais l'essence, c'est bien pour bien nettoyer et pour enlever la crasse.
Parce qu'au bout de 3 jours, vous allez voir, le carburateur redeviendra neuf. Donc c'est assez cool. Il y a déjà une petite différence par rapport à tout à l'heure. Bon, je vous dis à un prochain tuto. Ciao.